Salut les amis, c'est Mister Smart Eyes. Donc encore une fois, je sais que ça fait très longtemps, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu à faire de vidéos sur ma chaîne YouTube, donc encore sur mes réseaux en plein temps comme ça. Donc comme vous le savez, comme certains ne savent pas en fait, donc on est le 31 mars 2022. Donc je suis encore à Kinshasa. Donc oui, donc je suis là, je suis à Kinshasa depuis le 2 janvier 2022. Donc on est le 31 mars 2022, les gars, ça fait plus ou moins, je dirais 3 mois, donc que je suis à Kinshasa. Vous allez vous dire, en tout cas, il a beaucoup d'argent, il est encore à Kinshasa, il a fait 3 mois, ben, c'est indépendamment de ma volonté. Kinshasa, c'est une très belle ville en tout cas, c'est une très très belle ville, mais ben, Blue, monsieur, les gars, ah, en tout cas, les gens, on doit vous dire certaines vérités. Il y a des choses qui se passent dans cette ville, dans ces pays ici au Congo. Ça fait tellement mal, ça fait vraiment très mal. Donc ça t'enlève même en fait l'envie d'appartenir au Congo encore, de revenir à Kinshasa. Et ça, c'est les choses en tout cas que les Kinois plus ou moins sont habitués à vivre dans, voilà, dans cette léthargie, dans cette bêtise, dans cette cacophonie, dans cette désorganisation en tout cas. Ça fait très mal, ça fait très mal en tout cas. Je ne voulais pas faire cette vidéo, c'était même pas prévu aussi. Mais bon, je suis resté seul à la maison, je suis resté seul dans la parcelle, donc que ce soit dans la personne, je suis resté seul. Regardez, il est plus ou moins, je pense, il est 12 h, regardez, c'est soleil des plombs à Kinshasa. Donc, je m'ennuyais un peu, je voulais aussi partager un truc très important. Pour ceux et celles-là qui aimeraient retourner à Kinshasa, en tout cas pour travailler, pour les vacances et tout, c'est vraiment important. Les gars, je suis bloqué à Kinshasa, ça fait plus ou moins 3 mois. Je suis venu à Kinshasa pour deux semaines les gars, pour 2 semaines. Et là, ça fait plus ou moins 3 mois que je suis bloqué ici. Donc, sans pour autant entrer dans le détail, en tout cas, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo quand je vais rentrer en Belgique. Parce que je rentrerai en tout cas tôt ou tard, en tout cas, je rentrerai. Donc, c'est une situation assez assez malaisante que je suis en train de vivre, encore subir ici dans ces pays, donc le Congo. Un pays qui est les miens, mais en tout cas, vous savez, quand vous quittez les pays pour d'autres choses, donc quand vous retournez, en tout cas, il faut essayer un peu de s'adapter à certaines pratiques, s'adapter à certaines bêtises, s'adapter à certains comportements déplacés, hein, des membres de ta famille, de ton clan, de tes amis, de tes connaissances que tu as laissé à Kinshasa. Donc ça fait tellement très mal, ça fait tellement très mal, donc qu'on puisse réussir encore de se réadapter à certaines personnes, à certaines coutumes, à certains comportements nauséabonds des gens qu'on a laissé jadis ici à Kinshasa avant de partir sous d'autres cieux. Donc c'est un peu ça. Vous voyez comme ça, en tout cas pour les gens qui me connaissent, les gens qui me suivent sur mes réseaux, sur Instagram, sur TikTok. Bon, sur TikTok, je mets quand même des vidéos parce que j'ai beaucoup de vidéos que j'ai postées sur Instagram qui ne sont pas sur TikTok. Donc j'ai des brillants qui totalisent des 100 vidéos, donc j'essaie de choisir avec la tendance du moment et poster la vidéo. Bon, en tout cas, sur mes autres réseaux sociaux comme, voilà, comme Instagram, comme Snapchat, les gens qui me suivent sincèrement, et sur YouTube aussi, sur ma chaîne YouTube, en tout cas, savent que ces moments, en tout cas, je suis pas très actif, en tout cas. C'est pour des raisons personnelles, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie. En tout cas, je ne suis pas encore prêt là de venir, voilà, m'éclater sur devant un écran pour faire rigoler en sachant que moi je ne vis pas bien. Je suis bloqué à Kinshasa, les gars, ça fait plus ou moins 3 mois. Ça fait 3 mois que je suis bloqué à Kinshasa. Je passe comme ça mes journées, regardez. Donc le matin, je me suis réveillé là, il est 13 h, plus ou moins 13 h, regarde. Je fais que dormir. Je ne sais même pas où aller. J'ai plus de sous. Tous mes économies sont finies. C'était prévu de venir pour 2 semaines à Kinshasa. Et là, je suis bloqué. Ça fait déjà 3 mois que je vis ici. Ça fait tellement mal en tout cas. Je vous expliquerai l'histoire et vous allez comprendre un peu que cette ville, en tout cas, les gars, avant de venir à Kinshasa, en tout cas, il faut se préparer spirituellement, mentalement, psychologiquement, financièrement. Et être fort parce qu'il y a tellement de surprises ici. Les gars, Bomi Lobo, en tout cas, Mboka, on a imité. Hein. Dans certaines décisions de certaines personnes qu'on a connues, en tout cas, sur vous, en fait. En fait, quand ça fait tellement mal, tu te dis, mais pourquoi cette personne-là me fait ça? Ici à Kinshasa, les gars. Monter à ma bien à ma casse. D'une tristesse inouïe. Les amours commencent au lali balali. Hein? Pour des sous. Pour de l'honneur.
pour de l'honneur, les gens peuvent te tuer ici à Kinshasa, pour de l'honneur seulement. Parce que quand tu poto, tu as besoin d'un bon et tout comme ça, ta famille, tout bazoya. Ils sont en train de parler en parabole, en tout cas c'est une vidéo, en tout cas les gens, vous allez peut-être comprendre pourquoi vous expliquer toute l'histoire. En tout cas les gars, je suis à Kinshasa depuis le 2 janvier 2022 et ça fait plus ou moins 3 mois, on est le 31 mars 2022 que je suis bloqué dans ces pays à cause des décisions de certaines personnes, en tout cas qui me sont très chers, mais qui font très mal à cause de certaines décisions des autorités dans nos pays, à cause de la configuration de ces pays. Les gens souffrent dans ces pays. Au téléphone, il y a un salaire. Même pour avoir un document, les gars, aux actes gratuits, il faut le payer sans bon, il faut le payer les gars. Pourquoi? Tout ça, les nini. Je me cache juste en fait de pleurer en fait. Les gens qui me sont proches, les peu qui connaissent, les gars. Les gens sont impolis, les gens sont méchants. Surtout que baby qu'on se foutit pour tout les gars. Tout ça la nini. Prenez cette vidéo comme vous voulez. En tout cas, moi je suis pas là en tout cas pour commencer à madouer les gens et tout. Moi je suis pas là. Les gens qui me connaissent, je suis pas hypocrite moi. Je ne suis pas du tout hypocrite. Et quand les choses ne marchent pas, on doit les dire en tout cas. Non, avec le peu de monde que moi je veux, avec le peu de likes que je reçois, mais je fais quand même la promotion de ton album, de tes chansons. Ce qui n'a pas de problème, c'est que tu es obligé de faire ça. Si tu es en train de faire ça, tu as raison en fait. Tu as raison, si toi tu as la solution pour m'aider, non, moi je suis pas hypocrite les gars. Et ça, je dis ça, c'est valable pour tous ces musiciens qui me follow, pour tous ces gens influents, les politiques qui me follow en tout cas. Et là maintenant, je suis dans une situation en fait où il y a peu de gens qui sont là pour aider. Il y a quasiment personne en tout cas. Les téléphones sont occupés là maintenant, les messageries. Les gens ne lisent plus les messages sur Instagram, c'est ça. Moi, je suis pas du tout pour qu'il y ait un maille. Au sein d'un canal, qui n'a pas la pote, on sait que canal la pote. Aux à la Inos, aux à la Gaz, moi, aux à la Nano, la mission, aux à la MPR, aux à la. Toutes ces missions, ces politiques qui me suivent en tout cas. Les gars, notre travail, c'est de s'entraider. On est des Congolais, de s'entraider. Non, notre travail est s'entraîner. Un père va jouer à la cigale. C'est exactement la poteau. Bisous, tout ça, les promotions. Bisous, tout ça, l'encadrement pour qu'on s'en réussisse. Qu'on vous ment pas, les gars. Avant qu'il y ait un public étranger, ça serait d'avoir un devoir, en fait, pour nous, en fait, jeunes Congolais résidant en Europe. Lorsque un artiste congolais de ton pays qui joue à l'étranger, on doit être là pour le soutenir, en tout cas. Et si nous sommes ici, on est dans les besoins, en tout cas, bien, vous êtes sur la 12. Pas plus sur ça, Anine. Tout ça, la vie ne peut pas encore couper. Moi, je ne suis pas hypocrite, les gars. Moi, je suis mis sur ce moment. Je ne suis pas hypocrite. Je suis très poli. Je ne suis pas hypocrite. Là, c'est que Bélé Bouébé, on a eu ma dame qui était. J'ai croisé Gaz Mahout. En tout cas, c'est un garçon très humble, en tout cas. Qui voilà, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi, en tout cas. Il ne m'a pas donné de l'argent. Il a saigné mon côté. Il est très humble. Il m'a ouvert la porte de sa maison. Tout solennel, comme si on se connaissait depuis longtemps. Très, très humble. En tout cas, j'apprécie, sincèrement, je l'ai dit devant la caméra comme ça. J'apprécie sa personnalité. Inos, de même aussi. Et comme tous les autres, je crois que c'est un père aussi, des mêmes, très humbles. En tout cas, les gens, on est très bien avec eux. Mais les gars, s'il vous plaît, en tout cas, si c'est moi aussi l'ami, si a un problème, en tout cas, fais appel à vous, en tout cas, aidez-le. Ne soyez pas en train de tourner autour du pot, en tout cas, comme ça. On n'est pas juste là, en fait, pour commencer à reposter des trucs sur Instagram, puis après, c'est fini. Moi, je ne joue pas à ces jeux-là. Moi, je suis pas hypocrite, c'est pas la maille. L'amitié, c'est important. Moi, je suis pas hypocrite. Arrêtons un peu de se voiler la face, en fait.
Arrêtez les kinobal et kinbotsikablo. Les relations sont faites pour aider aussi une connaissance, un ami, ou voilà, je ne sais pas, mon frère, lorsqu'il est dans les besoins. Moi, je ne suis pas de ceux qui soutiennent Inosbi, qui Gazmawe était un père, ou encore les autres là. On nous voit s'afficher dans les stories, dans les soirées privées. Et lorsqu'après que moi, j'ai un problème, vous jouez les morts ou vous faites semblant de. Comme si vous ne lisez plus le message. Non, pas chez moi. Moi, je ne suis pas hypocrite, les gars. Moi, je suis pas hypocrite. Moi, je suis pas un putain de comédien. Je ne suis pas un simple humoriste, comme vous le pensez. Un guignol de réseau qui sera là en fermant sa bouche, en dansant sur vos chansons pour faire la promotion. Alors que vous faites rien lorsqu'on a besoin du soutien. Les gars, usez de votre influence pour aider un ami qui est dans le besoin. Hein? Bougez le cul pour les autres aussi, frère. D'une manière, non, seul canal à poteau. Là, je le dis sans scrupule, les gars. Et je comprends un peu, d'une part aussi, un peu le combat des combattants aujourd'hui. C'est parce que ils ont nourri, ils ont soutenu en fait, de toutes les manières, ces musiciens qui sont ingrats en retour, ils ne donnent rien, en fait. C'est comme ce que je vis ici, en fait, les gars. On est là en train de danser sur vos chansons, de faire des vidéos sur vos chansons pour la promouvoir. Et lorsque moi je suis dans le besoin, à Kinshasa ici, en sorte que vous avez quand même assez de relations qui peuvent nous sortir de l'embarras, mais vous jouez les morts. Non, les gars, moi je dis pas Kinos ou encore Gazmao et tous les autres, boxing et tout comme ça. Mais je l'ai dit, et ça je mets tout le monde dans la même case. Les gars, bougez le cul pour les autres aussi. C'est quoi, influenceur la bine à Kinshasa, ou bine pécile et tout. Non, là, pour ça, bon, on a bien noté. On vous soutient, soutenez aussi. On a soutenir la paix. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Il faut, dans notre communauté, avoir des gens comme nous, comme ça, voilà, qui brisent les silences. On s'en fout de ta position sociale, frère. On s'en fout, voilà, du succès que tu fais sur la scène musicale congolaise, encore africaine, encore mondiale, les gars. Quand tu dévis, on doit te ramener sur le droit chemin. Moi, je ne vis pas de ça. Je ne vis pas de. Ah, ouais, on me voit avec un tel, on s'en soirée privée à Kinshasa, bang, bang. Ah, toi, t'es avec des gens et tout. Non, frère. Moi, je travaille en Europe. J'ai une fiche de paix, j'ai ma vie à moi, frère. On est là pour le travail. Je ne suis pas venu ici pour passer mon temps, voilà, me déambuler comme ça. Et là, me voilà bloqué pendant 3 mois ici. Alors qu'il y a certains amis avec qui on parle très bien qui peuvent m'aider dans ces situations, mais qui sont là, qui jouent les morts. Et je comprends un truc important. Voilà, l'espérance que je vis là aussi, l'espérance nauséabonde que je suis en train de passer ici, très dure que je suis en train de vivre maintenant, m'a fait comprendre que les gars. Et l'Ikan a monté le monde dans le Koufara. Côté là, monté l'Ikan. Côté là, monté l'Ikan. Ces pays vivent les pires moments de son existence, les gars. Je l'insiste, je l'ai dit. Ces pays vivent les pires moments de son existence. On n'a jamais vu que ça. C'est du jamais vu. Depuis le 2 janvier, j'atterrissais, cœur joyeux, avec sourire aux lèvres, ne sachant pas que je serais bloqué ici pendant 3 mois, à Kinshasa, les gars. Donc, j'espère que lorsque cette vidéo sortira, en tout cas, je serai déjà rentré en Belgique. Et voilà. Cette espérance, en tout cas, je vais la partager avec vous. On doit dire tout haut ce que beaucoup de Kinois pensent tout bas ici. On doit dire tout haut la face cachée de Kinshasa. Kinshasa, c'est pas seulement Rotana, riz Kaiser et machin. C'est pas toujours voilà, le fruit, voilà, la nourriture bio, tout ça. Non. C'est aussi la méchanceté, l'hypocrisie de certains musiciens. Ah, ennemi sur Smart Azar, Abinizem Naye, Abinizem. Moi je m'en fous de vos guerres, les gars. Moi je m'en fous, voilà, la pote, je m'en fous. Vos guerres de go, en tout cas. Moi je suis pas dans ça, en tout cas. Si je dois parler à Inosubi, je parlerai à Inosubi. Si je dois parler à Gaz, moi je dois parler à Gaz, moi, oui. Moi je m'en fous de vos trucs là. Si je dois parler à Ouar, je parlerai à Ouar. Si je dois parler à Kofi, vice versa. Comme si je dois parler à Fer, je parlerai à Fer. Tant que ça m'arrange, si je dois parler à Fali, je dois parler à Fali. On n'est pas des guignols, nous autres, là. On n'est pas des guignols, on n'est pas des cons parce qu'on fait des vidéos sur les réseaux. Non, les gars, je l'ai dit, moi, j'ai un problème. Si tu as les moyens pour m'aider, en tout cas, tu es obligé de m'aider. Sinon, on est amis, pourquoi? On est des connaissances, pourquoi? Mais pourquoi tu m'appelles ton frère? Pourquoi? Why do you call me bro, fam? If you can't help me, why do you call me bro? I'm not your bro, fam. Fuck you, man. Donc, voilà, les gars. C'est comme ça que je passe mes journées à dormir, à ne rien faire, parce que là je suis bloqué, tous mes trucs sont bloqués, je suis bloqué en Europe ici, à Kinshasa ici. Et faut aller voir les factures qui sont en train de flamber chez moi là-bas, dans ma maison.
l'internet, l'électricité, tous ces trucs-là. Vous avez l'amitié, moi. Vous avez l'amitié. Vous mettez en place, vous m'avez dit, c'est confié, expliquer au problème, moi, en fait. Oh, je sais, moi, pas chose, on a moyen d'aider. Vous mettez en place, vous mettez en place, vous mettez en place, vous mettez en place, vous tout se paye ici, bas, ici, les gars. Kinshasa, mon terme, ma bé, moi, ça, les gars, c'est incroyable. Au moins, on t'en a un bon, moi. On t'en a un bon, mais ça, là, tout. Ici, les plus forts ne veulent pas des plus faibles. Les plus riches ici ne veulent même pas regarder ceux qui sont en bas. Et ça passe. Comme vous voyez, comme Atali Kibala, mon avant coup fatigué, 800 francs. 800 francs au salon. Sur ce 200 ou 500 francs. Pendant qu'un ministre volait dans sa voiture, il a mis 50 millions comme ça. Ah, tiens, là, ça. Vous jouez avec qui, les gars? Vous jouez avec qui? Moi, des fois, quand je marchais, je marche comme ça. Moi, là, moi, outil classe 10 ans. Aïe, 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 il faut le transport. Mais au combien de temps, il y a un bon côté, l'autre côté. Pendant ce temps-là, vos pasteurs, des cons qui dépoussent, qui sont en train de faire des bêtises avec de l'argent. Moko, je vis les pires moments de son existence. Je l'insiste, je l'ai dit aujourd'hui. Même maintenant, il y a des documents qui rassemblent un mot comme ça dans comment et comment pas si. Isalani, en tout cas, je ne sais pas si vous avez compris un peu le message de mon. De ma vidéo aujourd'hui, en tout cas, les gars. Kinshasa et des choses qui se passent, en tout cas, les gars. S'il vous plaît, je vous en supplie, en tout cas, les gens qui ont quitté le pays, avant de retourner, en tout cas, prenez le temps de se renseigner. Prenez le temps de vous imprégner spirituellement, psychologiquement, c'est très important, financièrement aussi, parce qu'il y a des surprises, en fait, les gars. Déjà, au comme un aéroport en Djil, déjà, au Robé, la même Liboma, l'aéroport en Djil. L'aéroport. Faut voir les gens qui ont besoin d'accueillir. Dans un aéroport, international, tout ça les nini, tout ça les nini. Quand on a la photo combien d'hommes, tout ça les binonini. Ah ben nous on a eu. Belgique, un état sérieux comme un royaume sérieux comme la Belgique, hein? Qui authentifie ton document comme l'aéroport on dit le web ça. Ah document ça bien t'es capable de lire un bon. Tout ça les binonini ben nous on a beaucoup ils ont nini tout ça les binonini ben nous. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Les kinois deviennent de plus en plus impolis et gris. La misère. C'est le quotidien des kinois ici, les gars. Je fais 3 mois dans ce pays, j'ai tout vu. Qu'est-ce que je n'ai pas vécu, les gars? Bloqué pendant 3 mois dans un pays. Un pays qui a tout pour se relever, en tout cas, mais la mauvaise foi des humains qui nous dirigent, en tout cas, fait qu'on soit toujours en bas. Tout ça, les binonini, bandeau. Tout ça, les binonini. Déjà, le report de Ndjin, il faut voir Ningwazo à Kayuryu. Dans ce pays, bon, ils vont te humilier. Ils ont moins la moukou, 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 ils ont moins la moukou. On doit te voler, on doit t'embrouiller, on doit t'insulter, on doit te calomnier. C'est quoi ce pays, les gars? Ça fait très mal. Ça fait très mal, les gars. En tout cas, je suis bloqué à Kinshasa, ça fait 3 mois. Donc, je ne pleurerai pas, en tout cas. Alors, moi, mon bal, il n'a pas bon, là. Écoute, les gars. Écoute, les gars. Moi, écoute, les gars. Non, mais t'es là, moi, seul. Non, expliquez, non, fond, là, mais non, héros, les gars. Mboko n'a pas ici. Ce pays est malade. Le Congo est malade, le Congo est triste. Le Congo souffre et ça fait des lustres. Je les confirme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'en sortir en tout cas? Un pays dirigé par des chômeurs et à poteaux.
Baton a posé un message, il m'a envoyé ma poste de choix, il est tel au bas salaté. Est-ce qu'on s'en sortira? Ce pays vit les pires moments de sa vie. Regardez comment je vois le bas qui m'a envoyé un avion, avion. On dirait que c'est fou, la foule, on dirait que c'est un set. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de mériter cela? Bah, on a posé un peu de temps, il m'a envoyé un conseiller, un ministre. Et ça n'a pas si les gars. C'est triste, les gars. Moi, je suis un peu libre. 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 C'est réel. Je suis un peu libre. 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 Je suis un Mboka oza au kouf, oza au beba bande wala ngay. Et ça, on vit des moments les plus sombres de les gars, mon tozo pelé na Kinshasa, na zo ebisabino. Et ça, penza pas si bande, koza pas si na soni na mawa. Nde kozo kazo lunga mboko, kende. Kozo kazo vana poto, kenata visite na maor ne jip, kwa rasu na mboko te. Fomboka, les gens sont aigris, les gens sont méchants. Les gens vivent dans une galère inouïe, incroyable, sans précédent les gars. Et puis n'a pas si. Et babi sous votre mission mon conduite en tout cas donc voilà au quelque place pour voir quand il y a au moins 20 000 pas mal à mon yabo. Au coup madame repart en disant fin on va manquer de respect pour le truc en fait bête. Parce que yibayo va falise en tout cas il y a les désorganisations partout. Tout ça les bino nini, tout ça les nini. Ça pas si, ça peine à pas si, ça peine à pas si. C'est vraiment triste. Et quand je vois un ministre, voilà, un con, voilà, qui est là à Bordeaux devant les étudiants, qui leur demande, voilà, retournons au pays. Il n'y a rien de bon ici. Les gens sont méchants. Les plus riches s'enrichissent. Ils sont dans leur conglomérat là, des gens idiots qui s'enrichissent inutilement ici comme ça, qui n'ont jamais travaillé en Europe en tout cas, qui s'enrichissent comme ça. Est-ce que vous pouvez imaginer en fait un conseiller à ministère, bah, il y a des lettres, il y a conseil. Hein? Lettre et conseil en fait un mois passé, mais le jour J à la benga, oh j'arrive quand même. Hors de jour à yébité, mais il y a gambon. Tout ça les nini, Benoît, tout ça les nini. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter cela, les gars? Monte aux opels à Kinshasa, le Congo va mal. Le Congo va mal, et ça, c'est sur tous les points. Un pays comme le Congo qui n'arrive même pas à délivrer les passeports, c'est pas normal. On trouve ça normal. Mais il y a des gens qui sont derrière les chefs de l'État, des jouisseurs, des gens qui n'ont jamais travaillé en Belgique, Toyebi. Mawa. Donc voilà, c'était votre frère, Mr. Small Eyes en tout cas. Merci beaucoup. J'espère que lorsque je posterai cette vidéo, je serai déjà en Belgique en tout cas. Soyez-en sûrs en tout cas. Merci beaucoup à tous ces gens voilà, qui soutiennent, qui propagent nos vidéos, qui propagent nos messages, qui commentent, qui nous laissent un petit message d'encouragement, qui prient pour nous. C'est très important aussi. Donc voilà, vivre dans ces pays comme le Congo ici, les gars, il faut avoir de nerfs solides. Il faut avoir Dieu. Sinon, sans Dieu, vous êtes perdus. Il faut avoir la foi. Donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, croyez en vous, les gars. Malgré la difficulté, en tout cas, faites un effort de tirer toujours les bons. Donc, tirer les bonnes choses pendant des moments difficiles. En tout cas, c'est de l'art. Donc, les gars, je vous encourage de devenir des artistes, c'est important. En tout cas, que mon Dieu bénisse, en tout cas, Miss Osman, je suis à Kinshasa. Donc, voilà, je suis bloqué à Kinshasa, ça fait 3 mois. J'espère que quand je posterai cette vidéo, je serai déjà parti, en tout cas. Merci beaucoup, les gars. Donc, voilà, merci beaucoup, on est ensemble.